Aujourd'hui, le 38e film de cette série nous emmène encore à Fos, mais cette fois en traction diesel depuis Marseille, par la célèbre ligne de la Côte Bleue. La Côte Bleue, c'est le littoral à l'ouest de la grande cité phocéenne, où, sur une trentaine de kilomètres, les roches calcaires de la chaîne de l'Estaque plongent dans le bleu profond de la Méditerranée. Des criques perdues, des pinèdes et de paisibles cabanons, dont le calme est rythmé par le bruit des vagues et en été par le chant obsédant des cigales. Un vrai décor de carte postale. Mais sur la Côte Bleue, on entend aussi le bruit familier des trains. Car c'est par là que passe une des plus belles lignes du sud de la France que nous allons vous faire découvrir. Et voici d'abord son histoire. La ligne d'Avignon à Marseille, dernière étape de l'artère impériale, est mise en service par étapes entre 1847 et 1849, en passant par Arles, Miramas et Rognac. Elle est confrontée à deux obstacles naturels, l'étang de Berre, qu'elle contourne par le nord, et la chaîne de l'Estaque, sous laquelle elle passe par le tunnel de la Nerthe. Pendant plus d'un demi-siècle, la Côte Bleue ne sera pas troublée par le passage des trains, même si, sous le Second Empire, la Compagnie du Midi intrigue pour y faire passer une ligne de 7 à Marseille. Mais le PLM veille, et il ne laissera jamais ce concurrent s'établir sur ses terres. Les rails apparaissent enfin sur la rive sud de l'étang de Berre, sous la forme du chemin de fer d'intérêt local à voie normale, pas des lanciers Martigues, par Marignane et la Maine. Il entre en service dès le 22 décembre 1872. Puis c'est le tour de la ligne Miramas-Port-de-Bouc, via Istres et Rasmin. Classée elle aussi d'intérêt local, elle est ouverte jusqu'à Rasmin le 10 novembre 1879, puis jusqu'à son terminus, le 13 avril 1881. 20 ans vont s'écouler jusqu'à ce que l'État juge nécessaire de doubler la ligne impériale Paris-Marseille par un itinéraire bis. Débutant sur la ligne du Bourbonnais jusqu'à Moulins, il gagne ensuite Paray-le-Monial, Lausanne, Givors, la rive droite du Rhône, Avignon, Cavaillon et Miramas. Puisque de Miramas à Port-de-Bouc un chemin de fer existe déjà, il est décidé de transférer sa concession au PLM et de l'incorporer à la future grande ligne. Nous voici exactement un siècle plus tard. C'est sur un faisceau de triage de Fos-Cossoul que débute cette journée avec l'équipe de la compagnie Régiorail. Nous allons accompagner un train de conteneurs arrivé durant la nuit en provenance de Fos-Gravelot pour rejoindre la zone portuaire de Marseille. Nous desservirons successivement Marseille-Canet, Marseille-Arinque, puis Med-Europe Terminal sur le triage de Mourpiane. Nous laissons sur la droite le tunnel de la Madrague vers Marseille-Arinque et Saint-Charles pour emprunter le tunnel du Canet vers Marseille-Maritime-Canet. La gare de Marseille-Canet a été mise en service le 1er avril 1934. Elle est accessible par un double raccordement côté l'Estaque par ce tunnel de 530 mètres et côté Arinque par un autre tunnel que nous allons parcourir également. Le site de Mourpiane
traite environ 20 000 conteneurs par an. Donc tu rentres sur le bois frais. Thank you.